Je pense que Cameron n'a pas agi en chef d'État responsable. Parce qu'en donnant une perspective telle, qui est celle de 2015, je crois, après 2015, après 2015, eh bien, on crée une zone d'incertitude, alors qu'on commençait à se sortir justement du doute des marchés vis-à-vis de l'euro, qui va pendre au-dessus de notre tête comme une épée de Damoclès. Je pense que M. Cameron, aujourd'hui, joue avec le feu et qu'il pourrait lui aussi se brûler les doigts à force de jouer. Parce que l'Europe, ce n'est pas simplement une contrainte, c'est aussi une idée, un concept, des institutions qui ont beaucoup apporté aux Européens et aux Anglais y compris. Toute l'Union européenne se pose la question du pied dedans, du pied dehors des Britanniques par rapport à l'Union européenne. On sait tous qu'il y a une ambivalence de la position britannique par rapport à la construction européenne. Ben, ce serait bien qu'ils tranchent définitivement cette question. On est dedans, on est dehors.